Tu fais quoi encore? Aide à garder foyer des gens. Donc quand tu es dans un quartier qui a monsieur, madame, tu gardes. Tu fais comment? Vous qui aimez frapper vos femmes, voyez ça. Le joueur descend dans ton foyer, coup de poing, tu casses bouche de ta femme. Hein? Devenez-moi. Faut pas avoir la paix dans le foyer. Il y a un mec qui devenu, ou attends, il y a un bébé, un garçon qui va me gérer. Et puis, ben, pas là. Le gol, ok. Tu es contente. Hein? Hein? Quand on fait pas là, tu es contente. Fais quoi encore? Vous avez sorcellerie? Et puis vous voulez pas qu'on combat ça? Mais notre pasteur, il y a des filles quoi? Moi, quand un pasteur ne s'intéresse pas à la sorcellerie, combat pas ça. Moi, je ne prends pas au sérieux. Parce que notre problème en Afrique ici, là, c'est sorcellerie. Nous avons les, ce qu'on appelle les réalités africaines. Nous avons les réalités. Il y a des choses qui existent ici, qui n'existent pas en Europe. Vous n'avez pas les champs de cacao, vous n'avez pas les champs de cacao en France. Mais c'est ici. Il y a les réalités africaines, il y a les réalités européennes. Et c'est en fonction de certaines réalités que la puissance de Dieu se dégage. Les blancs, eux, ils ont éradiqué ça chez eux. Ça n'existe pas chez eux. Mais chez nous, quel Africain qui ne croit pas à ça? Tous nos problèmes, il y a sorcellerie derrière. Tu fais quoi encore? Donc tu es sorcier. Tu veux quoi maintenant? Mais elle vient là-bas, c'est pas doux. On continue de manger. Viens là, d'où là, tu manges pas. Pourquoi tu veux quitter? Hein? Aujourd'hui. Comment ça fait la belle? Ta fille là. Hein? C'est ça qu'elle fait le bébé. Ton bébé, toi, t'es nourrice. Ton bébé, t'appelle comment? Où tu la laisses? Elle est nourrie, ça fait 5 mois. Béné, où tu es béné? Hein? Tu vas la laisser là-bas. Elle va crier, maman, mais voici, viens, mes bras. Qui a fait un bateau? Donc elle a mangé là-bas. Hein? Elle dit, maman, il y a beaucoup. Ils ont dit qu'ils ont été chéris. Et ils n'ont qu'à la manger. Après les 5 mois. Et toi, tu n'as pas de cœur. Ils n'ont qu'à la manger. Et lui. Toi, tu la laisses là-bas. Tu ne la veux plus. Mais pourquoi tu as fait enfant? Tu es obligé de prendre grossesse. Il fallait prendre pilule. Tu es prêt à comprimer, il y a combien, il y a combien. C'est la vérité. Tu fais enfant, tu veux qu'on mange. Donc, en cas de délivrer, Béné va rester là-bas. Maintenant, si elle pleure, maman, tu fais quoi? Donc elle a mangé. Elle n'ont même pas de cœur. L'état d'âme n'ont même pas ça. Et c'est fait pour manger. Moi, les sentiments n'ont pas ça. Sauf là, si ta maman est dans fait des sorcelleries, faut pas dire non, comme c'est ma maman. Elle va te manger si elle n'est pas délivrée. Vas-y, maman dit, mangez là. On a dit, on a les yeux. Car comment? Va avant te délivrer, hein? Vous savez, pourquoi nous faisons des aveux? À partir des aveux, vous, n'est-ce pas,
démasquer, non, en fait, vous neutralisez le pouvoir de la sorcellerie. Vous affaiblissez ça. C'est une société secrète. Là-bas, c'est quoi, on fait, on ne dit pas. Donc, quand tu dis ça, ça affaiblit le pouvoir de la sorcellerie. Parce que lors de l'initiation, on te dira, ne dis pas. C'est ça que vous allez remarquer que quand le sorcier, avant de mourir, il fait aveu d'abord. Et l'église n'a pas encore reçu cette technique de délivrance des sorciers. À l'église, j'ai attrapé une sorcière. Elle peut te dire, je reconnais, mais je ne sais pas ce qu'il est fait. Elles sont très forts dedans. Ou bien c'est faux. C'est des grands menteurs. Nous sommes à détecter ce que tu as ça. Et puis on a les remèdes pour t'enlever dedans. Tu vas parler et puis on va te soigner. Maintenant, si tu ne veux pas, tu aimes sorcellerie, viens, un cadeau de sang te donne. Quand tu vas partir, toi-même, tu vas voir ce que tu as. Ça s'est passé. Nous, on vous aime, vous tous, mais ce qui est en vous là, ça mange l'homme, c'est pas bon. Parce que l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie. C'est pour ça que vos enfants causent avec eux, vous allez, tu arrives à quoi? Vous devez prier vos enfants. Ne les négligez plus. Vos enfants, le psaume 4, verset 9. Il n'a qu'à apprendre ça avant de dormir. Psaume 4, verset 9. Dis aux enfants, avant de dormir. Et vous savez que quand vous répétez le psaume 4, verset 9, vous devenez invisible. Amen. Il y a des choses, je vais vous enseigner. Je vais vous donner des versets bibliques de l'onction de l'invisibilité. Philippe avait ça. Quand Philippe annonçait l'évangile à l'unique Éthiopien dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il a disparu. Amen. Donc le diable et Dieu qui copie sur son camarade. L'unique Éthiopien Philippe a disparu. Il allait ailleurs. De l'onction de l'invisibilité. De la tête écho. Non, le week-end prochain, il y a des choses, je vous enseigner. Amen. Moi, quand je vois d'autres esprits, il y a des brillants, les faits, ils ne me voient plus. Il y a des esprits, moi je vois. Quand je les vois en train de venir et faire des prières, je les vois. Je les vois invisibles. Je les vois partout. Cela existe dans le Seigneur. Amen. Vas-y, si je vois, il va t'attaquer. Moi je deviens invisible. Tu passes, tu repasses. Tu ne me vois pas. Parce que Jésus là, s'il n'y a pas force dans Jésus, moi je ne crois pas en lui. Je continue de boire mes nasigui. Où jouez Bible là? Vous n'avez pas dit il y a trop de choses dedans. C'est vous qui voyez ça en roman. Puis tu demandes c'est quelle page? Vous voyez ça en roman? Moi je vois la révélation qui est dans les Saintes Écritures. Parce que si tu es visible, le sorcier va te prendre à te manger. Quand il vient dans ton lit, il voit un vide. Amen. Je vais vous enseigner la matière. Quand il ne peut plus entrer prendre leur corps pour entrer dans ta maison, quelle est la matière qu'ils utilisent pour entrer? Je vais vous enseigner tout ça. Si vous voyez ça, c'est lui. Quand il a commencé à donner des paroles, tu vas voir là, si c'est Kafa, ça va tomber. Sans que tu le touches, ça va tomber. Venez le jeudi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce qu'il faut qu'il soit équipé. Si tu n'es pas équipé, pourquoi les gens ils vont prendre les gris-gris pour mettre chez eux à la maison? Parce qu'ils savent que la ville c'est fait de protection. Il faut te protéger sans que quelqu'un va venir gâter ça. Le ciel, c'est pas seulement le ciel que Dieu donne. Dieu donne la protection. Mais tu as fait quoi pour venir te protéger? Amen. Il y a des gens qui ont été grands pasteurs, les sorciers les ont mangés. Ils sont allés au ciel. Mais ça, c'est qu'il a mangé. Amen. Le psaume 4, le verset 9. Quand tu reprends ça, tu deviens invisible.
Demandez aux sorciers. Ils ne voient pas chez moi. S'ils ne voient pas rentrer, okay. Ils ne voient pas chez moi. Amen. Il y a un ange envoyé chez moi. Les pasteurs vous enseignent comment on chasse les démons. C'est pas ça? Démons d'épilepsie. L'ancien Massène va enseigner l'angélogie. On nous enseigne ça à l'école biblique. Ça fait partie d'un coup l'angélogie. On n'adore pas les anges qui sont à nos services. Qu'est-ce que tu as dit pour que l'ange la vienne? Vous savez pas que chaque jour que marchait un ange vous suit. Vous savez pas ça? Moi je laisse un ange chez moi. Quand tu dis monsieur, je suis venu te braquer, je dis à l'ange, attrape-le. Je veux connaître les choses. Pour que cette chose ne vous arrive plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même ton dossier déposé à l'ambassade, tu peux envoyer un ange. Le jour où tu es arrêté, le consul t'appelle. Il dit, ne le veux lui, il a fait venir. À moins que toi tu ne sois pas dedans. Mais si tu es dedans, il y a les prières, tu sais, le consul obligé de dire, ah, je reçois telle personne d'abord. C'est le point de vue de commerce à Gagnoua. Le greffier il dit, mais c'est une semaine, mais je ne sais pas. Va, je t'appelle moi-même dans une heure de temps pour te donner. Mais les gens sont étonnés. Je dis, mais vous aussi, qui ne savez pas quelle prière est faite pour venir dans le On a assis. Et monsieur, le monsieur m'a appelé, c'est fini, viens prendre. Je suis appelé, prends mon réveil de problème. Je l'ai mis dans mon sac. Les autres dames, c'est moi qui attends une semaine. Ce qui ne connaît pas Dieu. Il y a des choses quand tu connais, les choses deviennent faciles devant toi. Et il vous voit en comédien. Comment le monsieur te voit en poulet, en canard. Puis il a fait, il vient manger. Il a envie de manger pour les braiser. C'est pas vous taise. Il te voit en porc au fou. C'est des mangeurs d'âme. Pendant toi, tu manges poisson, toi et Gabal. Et il ne vit que de ça. Et puis, et quand il mange une âme, ça leur procure la longévité. Parce que la Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme se trouve dans le sang. Elle ne mange pas l'esprit. Non. L'homme est composé d'esprit et l'âme et le corps. C'est l'âme. Il est comme moi, ton âme, ton esprit est là. Ce soir, on l'a mangé, puis il vit, oui. Il doit vivre. Tu vis, ouais, ton esprit est là. Mais tu vis sans une âme. Tu n'as plus d'âme dans ton corps. Et si tu as trop duré, c'est un an. Non, quand quelqu'un son âme est mangée, c'est trop de ce une année. Tu peux vivre 9 mois. N'as pas ton âme en toi. Quand c'est comme ça, toute maladie peut t'arriver. Toutes sortes de maladies, tu es malade, toujours constamment malade. Ton âme est mangée. Ça dit à manger ton âme. Avec sauce graine et placali la pluie. Amen. On ne doit plus vous voir dans vos maisons. Oui. Alléluia. C'est important. Parce que si le sorcier te voit, okay, il va venir te manger. Amen. Alléluia. Moi, quand je rentre dans un village, je parle. Je dis, c'est ordonné parler. Vous avez ce pouvoir. Il n'y a pas un sorcier sur la terre qui va m'attaquer, il va m'avoir. Il n'est même pas encore né, il ne sera pas encore créé. Parce que je connais toutes les techniques pour le détruire. Amen. C'est ce que j'en ai de vous enseigner. Quand vous allez venir le week-end prochain, je vais vous montrer les techniques. Il y a des choses qui vont aller doucement avec vous. Allez, si vous utilisez, vous pouvez tuer un village. Je vais vous donner des techniques, même chez vous à la maison. S'il y a un petit sorcier, il va commencer à tousser pendant une semaine. Hein? Amen. S'il ne touche pas, comment on doit savoir? Ok, quand que j'ai mal, il va la là-bas. Deux jours, tu dis, monsieur. Monsieur, non, il va parler d'abord. Non, amenez la parler d'abord avant de retourner chez lui. Ce que tu as fait, mais tu as toussé là. Yes, je dois entendre ça d'abord. Qui le colon? Mais si tu vas partir, tu vas partir.
Et vous voyez là, vous jouez ça. Il consacra. Mets ça dans nos bouteilles. Fais manger la maison. Bien construit, n'est-ce pas, mais je ne dis pas pour la parole que tu vas ajouter. Mais vous, pas quoi, vous pouvez la parole. Amen. Vous devez bénir pour vous enseigner. Vous voulez avoir les choses facilement comme ça. On part d'un point à notre point. Amen. Vous le voyez là, c'est pas un musulman. Mais vous mettez ça dans la nourriture, tu n'as pas mangé. Azoué, Zamine, c'est Yodi. Allez, tu as un démon en toi, sorcellerie, tu as poussé. Pour Kaza, il y a encore un caisse. Mais oui. Si tu ne sais pas comment t'as reconnaître. On va tousser toute la nuit, deux jours, trois jours. Il soit, il est là, comme ça, on va le laver. Tu tousses trop, hein. Il voulait connaître ça là-bas. Moi, je sais ce qui se passe. Il y a même trois, tu peux parler. C'est les manteaux qui vont attraper la tête. Tu vas trop vite, tu dis tu es sorcier. Quand tu l'attends comme ça, il est désarmé. Si tu veux poser trois questions, le prophète Rasoul, il ne discute pas. Mais toi, il va te mentir. Dit que ce qui se passe là, c'est de la sorcellerie. Moi-même, est-ce qu'il est fait? L'objet de parler. Quand il passe à le délivre, on casse bagarre, tu crées bien. Moi, je sais soigner sorcier comme le Dieu. Vous savez que la pluie, pas six choses à faire, pas six choses à faire, c'est gâté. Gâté là, ça vient de la passe bien. C'est pour cela que je vous montre les bonnes choses. Satan l'a copié si Dieu fait les bonnes choses. Moi j'aime l'homme. C'est pour ça que j'aime pas qu'on tue l'homme. Même si tu es sorcier, je vais te délivrer. C'est pour ça que le bamboulé est venu m'attaquer, manger de l'homme. Je l'ai délivré, il a un moi. Quand il donne, je lui donne l'argent, bah, il l'aime. Tu nous fais manger. Il a tué son papa sans manger. Il a mangé les cuisses, les gigots. Il croit qu'on est arraché un foutu. Mais le voici, c'est là. On est à l'aise avec lui. Il mange avec nous. On a pas de problème. Mais c'est ça. Il faut aimer l'homme et le délivrer. Au Cameroun, il y a longtemps la brûlée. D'où alors Cameroun, bien caca. Voyez les images. Je suis choqué de voir ça. Au Cameroun, on te brûle. J'ai beau le dire, mais c'est toi qui joues un sorcier. Mais si le blanc n'a pas tué un sorcier, il dit, mais on n'a pas entendu de voir. Nous, on est dans l'évangile. Amen. Le soleil est en train de gêner. Amen. Le sorcier est venu. Qui veut parler? Alors voilà, le parrain. Non, toi, pardon. Tu as commencé tout de suite à tomber. Vous ne connaissez pas lui. Pardon. On a fait trois expériences, toi. On commence à terre. On commence à terre. Trois fois. Zadie, pardon. Indiam, pardon. Hein? Pardon. Moi, je demande pardon. Pourquoi parler? Trois expériences. On va dire. Ouais, doucement. Oui, toi, on a tapé. Des sorciers, attends. Des sorciers. Hey, assez-vous. Des sorciers. Oh, mais vous dérangez la rencontre. Des sorciers. Ah, il te boue. Tu fais quoi ça? Il nous là. Tu tues quoi? Un drap quoi? Tu as tué qui? Allons, drap là. Allons, drap là. C'est toi qui dis tu tues. Mais il y a un drap à quoi? Tu as parlé là. Allons, Indra là. Hein? Indra, Indo. Allons, Indra, non? Tu vas la tuer. Qui tu as déjà tué qui allait à Mauritanie? Allons, Indra, le fou de là. Vous connaissez Mauritanie? C'est les morts, non, de Mauritanie. Qui t'a déjà tué qui allait à Mauritanie? Allons, Indra, le fou de là. Hein? Il y a 10 personnes.
Va t'asseoir. Mais tu es sorcier. Hein? Oui, je suis sorcier. C'est toi qui gâtes ta maman. Madre, non? Viens, sa maman vient. Là, là, pour la massage. Comment t'es d'aller faire ce soir? C'est ta maman. Il me voit. Ça ne paraît pas, hein? Ça ne paraît pas, hein? C'est ta maman. C'est ta maman. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman? Il est noir là. Hé, hey, tu as dit que tu allais parler. Hein? Tu n'es pas forcé. Tu as dit que tu allais parler. Parle fort, hé. Hey. On t'a forcé. Tu n'es pas sorcier. Tu t'attends pas à parler. Hein? Sorcellerie, c'est une bonne chose. Hein? Donc, faut dénoncer, faut parler, faut parler. Dénonce la sorcellerie. Bah, pourquoi cacher ça? Voilà. T'as quel âge? J'espère que tu n'es pas marié. Là. Il n'a pas enfant. Non. Mais tu peux être marié. Tu peux ne pas marié. Tu peux être marié. Il y a une vieille fête Janjuja là-bas, on l'a vu ici. Ici, c'est que nous on a vu ici, c'est grave. Hein. Elle est Janju. Elle a trois copains. Elle va ici. Rosalie. Elle va ici. Une vieille. Elle fait sorcellerie. Elle fait Janjuja dans la sorcellerie. Ici, nous on a vu des choses ici. J'espère que tu ne peux pas janvier là-bas. Tu t'appelles quoi ta maman? Hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as mangé ou t'as mis un esprit de mort? Toi, tu peux envoyer un esprit de mort. Moi, je n'ai pas miné. Dis maman, je n'ai pas. Hein? Oh, l'autre amour. Hein? Je suis ton ami, ton camarade. Il n'a rien à quoi. Hein? Ça fait quoi ta maman? Hein? Tu n'as pas envie de parler. Tu l'as tué ou on? Qui l'a tué? Ah non, mais c'est moi qui l'ai tué. Comment t'as tué ta maman? Donc elle maigrit, c'est toi. Là toi, moi, hein? Oh, parle, oui, t'as pas envie de parler. C'est toi qui fais ça. Tu as fait quoi? Bon, qui le va moi? Allez, allez. Toi, tu as parlé de là. Tu as fait quoi? Hé! Moi, je dis des vides, allez, fais sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Qui t'a donné? Tu es sorcier. Oui. Qui t'a donné? Hein? Tu es sorcier. Oui. Hein? Qui t'a donné? Il n'a pas de nom. Comment t'a donné? Il a transformé poisson en chair humaine. Et tu as mangé. Tu es devenu sorcier. Comment c'est fait, c'est passé? La nuit est dormée. Mm-hmm. Et puis, poisson, quand il a mangé là, quand ça s'est transformé à la nuit, il est venu me chercher. Il est venu te chercher la nuit. Bébé. Ça veut dire qu'on ne peut. Ce n'est plus question de lien de sang. Un enfant de quartier peut venir initier des enfants. C'est le même quoi? La nuit est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé la suite? On est venu au boubé. Hein? Là-bas, on m'a donné le sang de. Il a donné le sang, tu as bu. Oui, avec la chair humaine. Avec la chair humaine. Mm-hmm. Là-bas, on m'a proposé des choses. D'abord, comme quoi? On m'a demandé de gâter et de tuer. De gâter et de tuer. Ouais, une grâce et de où? De tuer toi. Une grâce et de tuer. Dis le nom. Amos. Amos, c'est qui? Il est dans nos campements.
Tu le connais? Tu l'as. Il a la Mordani. C'est son nom dit Mordani. Ben, d'où qu'on va faire la sauce? Tu l'as tué comme Amos. Hein? Il a fait son travail. Non, mais les livres vont être délivrés. C'est ça que quelqu'un va être délivré. Eh, hein, sorcellerie, c'est une bonne chose. Le jour où on t'a attrapé, là, tu dis. Mais tu es comme ça. Donc tu dis. Et puis on te délivre. Oui. Tu allais faire qu'à travailler sur lui. Tu as pris son âme. Tu t'es parti. Tu l'as transformé en quoi? Non, l'âme que tu as pris là, tu as transformé en quoi? C'est venu comme une puissance. Avant de manger là, tu as pas mangé Amos. Hein, tu l'as transformé encore pour manger? Oui. Tu as mangé quelle partie? Tu as mangé que Jigo. Qui encore? Deuxième. Non, tu es. Tu as tué trois. Ressemble à la dame de tuer. Tu as tué un petit d'abord pour un bruit. Comment tu l'as tué? Amos. La troisième personne? Elie. Tu l'as tué comment? On lui a demandé, il n'a pas envoyé quelqu'un qui l'a de plus cher. Il dit non. Et puis il l'a mangé. Et c'est bien. Maintenant tu as gâté quoi? Il était où là? Ta maman vient. Et non, mon temps, maman. Tu m'as appelé, tu dis mon fils, fais pas pareil. Je dis moi. Le jour où elle se met devant moi, sa bouche, c'est comme un robinet. Je t'ai pas dit ça. Hein? Je t'ai pas dit ça. Non, on dit qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il dit, on t'a dit qu'il n'a pas parlé devant moi. Non. Quand on lui demande, il dit, le jour sera devant moi. C'est comme un robinet. Hein? Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcellerie. Toi, ta sorcellerie, tu n'as pas besoin de parler de moi. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Non, il ne parle pas. Il ne m'a pas encore rencontré. Si il est devant moi, c'est qu'il a fait, va dire. Tu as fait quoi, ta maman? Hein? Au papa va entendre, tu t'entends pas, ta soeur. Vous êtes divisé. Tu as fait quoi? Je dis, quand je suis allé, En quoi faisant, tu as fait quoi? Juste. Il parlait pas, non? J'ai dit à sa maman que moi là, si il se met devant moi, il va parler. Il a donné la... Elle, vous savez quel prière moi il fait pour venir me mettre devant ceci? On est banal, il est quoi? Il n'a pas dit violent, il n'a pas dit quoi, mais pour ce cas. Un de ses aussi, il n'a pas parlé. Il m'a pas encore rencontré. C'est mes disciples. Mais le juge, il a fait son procès. Là, c'est moi, il a pris. Il dit de ceci. Il a confirmé ça. Tu as fait quoi? Il n'a pas chié sur lui. Tu es malade. Il n'a pas chié sur ta maman. Tu n'as pas badigeonné caca. Tu as mis caca sien. Petit, c'est pour délivrer ta mère. Ici, là, qui a dit tes sorciers? C'est pas moi? Tu n'as pas reconnu? Ce qui vient de dire là, c'est moi qui mets dans la bouche. Tu as mis caca sur ta main. Non, je ne veux pas que ta main soit délivrée. Alors, mais toi, tu veux dire quelque chose et puis tu changes. Voici la technique des sorciers. Il y a des choses
ils vont jamais vouloir lâcher. Comment t'arriver à mettre caca?